Cette semaine, c'est la rentrée culturelle, une semaine pleine de surprises pour découvrir l'université autrement. Le but, c'est de faire connaître aux étudiants notre programmation culturelle. Nous essayons d'être présents sur tous les campus pour justement être au plus près des étudiants. Une programmation variée entre performances, concerts et expositions. Nous avons rencontré 16 artistes qui font leur rentrée. Je n'ai pas de passion pour la chasse ou la taxidermie à proprement dit, mais justement ces petites bêtes, qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui peut en faire et qu'est-ce qu'il peut en dire? Comment il peut transmettre aussi ce questionnement très actuel à propos de ce vivant qu'on maltraite? L'exposition Aborigine Staying Alive choque ou questionne. Elle est à découvrir à la galerie des Trois Lacs sur le campus Pont-de-Bois jusqu'au 20 décembre. Partons maintenant à Roubaix, en LEA, où les étudiants vont pouvoir découvrir la fresque réalisée par Searle et Raphaël De Coster. We start a project with a simple idea. Then we think about what can we bring from the community to this wall. So I went to take a walk in here and I find some particular stuff. So was bring all this together and bring our style that we never worked before. So this is Roubaix in sign language. No, but we have to explain further. You can. So R O U B A I X. Une rentrée placée sous le signe de la convivialité, mais aussi de la rencontre avec les artistes. Je dirais aux étudiants, venez participer. Donc on offre énormément de spectacles divers, ils sont gratuits. Et puis également à participer à tous nos ateliers que nous concevons en fonction de la programmation. Ça doit être le ciment de la communauté universitaire et du coup aider à former une identité culturelle qui sera celle de l'université, qui est celle de l'Université de Lille. Une programmation culturelle riche à découvrir toute l'année. La rentrée culturelle, c'est pas fini et ça se poursuit ce samedi à 10h30 à la gare Saint-Sauveur avec la compagnie Circonflexe et le spectacle Appuie-toi sur moi.